Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec équipe Bombard Media now là depuis Bombard Police. C'est yon plaisir pour nous entrer la caillou encore avec yon l'autre vidéo. Jodi an nou pral invite koute André Michel, Nenel Kasi à Josué Merlien, c'est trois membres en opposition qui ba yon conférence pour la presse pour expliquer pour bay d'état avec information comment y a planifié quelque bagaille contre gouvernement. C'est information ça nous pote pour. Si c'est premier fois visiter nos informations nous partager ou intéressé ou pas oublier abonner avec Bombard Media Now et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Bombard Media Now là. Et bien nous pas perdre temps, n'a pas commencé. Cool ya. Secteur démocratique et populaire pour permettre que le message nous arrive dans tout le pays, dans 10 départements, dans toute section communale, pour permettre le message nous arrive dans la diaspora. Et je crois que le pays a traversé une période extrêmement difficile. Une période extrêmement difficile avec un pouvoir politique, le pouvoir de Jovenel Moïse, un pouvoir que le peuple a rejeté, un pouvoir que le peuple a vomi, mais que la communauté internationale a supporté jusqu'à présent. Et tu vois ça, Jovenel Moïse, PHTK, a tellement aimé le pouvoir, parce que c'est le pouvoir ça qui fait qu'il n'y a pas de prison déjà. C'est le pouvoir ça qui fait qu'il n'y a pas arrêter les gens qui volent les côtes de Caraïbes. C'est pour voir ça qui fait, moun qui fait massacre la saline yo pour en bacode. C'est pour voir ça qui fait assassin yo, à marcher dans la figure monde de jour, qui aurait même pour voir ça. Et Jovenel Moïse choisit de faire toute salle capable pour le temps de pouvoir. Parce qu'il connaît, il fait tout le temps sous pouvoir. Jovenel Moïse fait tout le temps sous pouvoir. Mais mon latérine, il n'y a pas fait dans le pays. Le bilan est catastrophique. Le même cassé sur le bilan économique, social, PHTK. Je dis, c'est 120 gouttes pour un dollar. On n'a pas manger, on n'a pas voir petite l'école. On n'est pas capable de payer caille pour dormir, pas de sécurité. Et je venais aller plus loin, je dis. Organisation de la Mounio sorti rapport. RNDDH sorti un rapport. Et dans le rapport RNDDH, là, nous constatons, nous, ouais, avec deux jeunes en tête, nous, que c'est Jovenel Moïse qui fait une alliance politique avec des groupes armés, assassins, qui participent dans le massacre La Saline, massacre Bel Air, qui a assassiné le peuple là, assassins, qui a violé le petit peuple là dans le pays là, assassins, qui a volé sa population en gagnant, qui a rentré Kaïmoun, qui a fait kidnapping. Jovenel Moïse font alliance avec eux pour être capable de gagner le pouvoir, contrôler le quartier populaire pour empêcher le peuple à sortir, à le manifester, à le faire mobilisation. C'est ça nous constater. Et nous constater, parce qu'elle a tellement allé loin, des machines de la police qui participaient dans le massacre du peuple dans Tokyo, dans la Cité Soleil, sorti 27, disons sorti 23 mai, pour arriver 27 mai 2020. Dans le rapport de l'NDDH, il dit nous, le jour qui était 26 mai, il y a 5 machines blindées de la police qui étaient ensemble avec Barbecue, Jimmy Cherizier, ancien policier qui participait dans le massacre à La Saline. Il y a 5 machines blindées de la police qui étaient accompagnées, monsieur, dans le massacre de Mountain Rouge, massacre de Mount Roi Jérémy, massacre de Mount Tokyo dans la Cité Soleil. Et à partir de ce moment, nous disons, le directeur général de la police nationale d'Haïti doit assumer ses responsabilités. Monsieur Jude Joseph, qui est le président du CSPN, Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti, il doit assumer ses responsabilités. Mais l'injustice, de facto, qu'a marché à deux pénales. Moi, je dis, à partir de ce moment, Mounsayo, il y a des responsabilités. Il faut assumer la responsabilité. Mais l'injustice qui a marché la beauté dans la radio toute journée, qui n'a rien pour le faire. Il ne va pas reprendre rien dans la justice. Il ne va pas reprendre rien. Il quitte le président, libérant dans le monde qui est condamné dans le kidnapping, dans l'enlèvement, dans l'assassinat. Cela veut dire qu'il ne connaît pas son job. C'est un incompétent. Et même au PC, qui fait partie du pouvoir de l'État, il dénonce ça qui passe. Que vous prenez des décrets pour mettre en liberté des criminels, des assassins qui n'ont enlèvement qui tue le monde. C'est l'incompétence flagrante et avérée du ministre de la Justice,
parce que le ministre de la Justice dans tout gouvernement, c'est le premier conseiller du président et du premier ministre en matière de justice. Seul ça le café, c'est marcher la dans la radio, descendre canon El Kassi Gressier à la radio qui fait un terre. Mais vraiment, ce type, il est con, il est bête, il ne comprend absolument rien. Cependant, nous redisons et nous insistons que le directeur général de la police, le premier ministre, Mounsa a une responsabilité pour expliquer la population à ce qui est passé. Qui est-ce qui t'a conduit machine blindée sa yo, qui t'a accompagné assassin yo, dans massacrer la population en Cité Soleil, massacrer la population en Wap Jérémy Pont Rouge, ce 23 mai ou le 27 mai 2020. Qui est-ce qui t'a conduit machine sa yo? Qui est-ce qui t'a baillé l'ordre pour machine sa yo sorti? Qui policier qui t'a dans machine sa yo? Nous donnons, nous accordons un délai de 22 jours au directeur général de la police et au premier ministre pour conduire cette enquête et déterminer exactement ce qui s'est passé dans le moment ça pour venir dire population. Il faut venir dire ce qui s'est passé. Et si délai ça a passé, directeur général de la police, premier ministre, même parler de la docteur et ministre de la justice là, si 22 jours passés, nous pas venir dire ce qui s'est passé. Nous-mêmes dans le secteur démocratique, là, n'a pas considéré ni premier ministre, ni directeur général de la police, ni ministre de justice la docteur, n'a pas considéré tout le monde, qui fait partie de gang barbecue, qui fait partie de Genève là, qui fait partie de criminels qui ont marché, assassiné le peuple dans le quartier populaire, et n'a pas été plein de contre pour association de malfaiteurs, n'a pas été plein de contre parce qu'ils ont assassiné le peuple là, de touiller la population dans le quartier populaire. Je dis à bataille la claire. Ce n'est pas seulement une bataille entre pouvoir et opposition. C'est clair, je dis à. Il s'agit d'une bataille pour faire respecter la Constitution. Il s'agit d'une bataille pour réussir la transition qui est devenue inévitable parce que c'est clair. Pas jamais gagné élection avec Jovenel Moïse comme président. Pas de bagaille comme ça. Faut que l'élection soit faite dans 3-4 mois. C'est impossible puisque son mandat constitutionnel prend fin le 7 février 2021. Faut que l'aller. Si le peuple n'a pas gagné temps, shooter derrière. Alors, à partir de ce moment, il faut un large front patriotique pour faire respecter la Constitution. Il faut ce large front patriotique pour définir le contenu de la transition, pour organiser cette transition et pour réussir cette transition. Et sur la question ça, secteur démocratique là, quoi, faut gagner discussion, faut gagner débat qui fait dans la société là, pour nous capables de réussir la transition, hein, définir la transition hein, et organiser la transition hein, et débat ça. Faut que c'est tout le monde qui pour la donne, nous pas capable de mettre personne monde sous côté. Et nous capable de dire que le secteur démocratique là, avec un peu de groupe politique déjà adressé, on l'est ouverte au secrétaire général des Nations Unies, où nous dit voilà la situation. Et que ça, madame Lalim, te dit qui fait le faire rapport devant le Conseil de sécurité à 19 juin 2021, ça ne pas correspondre à la réalité. Hein? La réalité, c'est que le mandat de Jovenel Moïse prend fin le 7 février 2021. La réalité, c'est que Jovenel Moïse a gangstérisé le territoire. La réalité, c'est que Jovenel Moïse est un chef d'État rejeté par la population. Il n'a pas de crédibilité pour conduire aucune réforme constitutionnelle. Et que même si le peuple a voulu une nouvelle constitution, c'est le gouvernement de transition hein, qui nous fait ça. La réalité, c'est que la transition est devenue inévitable. Et la communauté internationale aujourd'hui a la responsabilité d'accompagner le peuple haïtien pour réussir cette transition qui doit mener nous dans élection crédible. Le moment va arriver qui nous permet de changer la constitution, hein, qui nous permet que nous faire pour cette peuple arriver, nous faire conférence nationale haïtienne souveraine. Nous croisons bataille pour nous mener ensemble. Il y a des gens qui doivent rester sous côté. Et je dois féliciter les maires de l'opposition, magistrats qui font partie de l'opposition, notamment le maire de la Croix des Bouquets, le PDG de Radio Sainte FM, M. Ronny Collin, le maire de Port-au-Prince, magistrat Belader, magistrat Saint-Marc, magistrat Niambalais, qui comprennent que le mandat est fini, magistrat Benet,
c'est un ami. D'accord? Qui comprennent que le mandat est fini et ils ont pas décidé de rester continuer à liquider affaire courante parce que pas le Jovenel dit c'est lui qui fait une faveur pour y rester. C'est une décision courageuse. C'est une décision historique parce que dans le pays ça, garçon avec femme tellement un job, c'est pas facile pour monde accepter comprendre que mandat fini et faut lui quitter pour faciliter le jeu démocratique. Parce que si pas de magistrat qui est élu pour remplacer eux, si pas de parlement, c'est la responsabilité du chef de l'État. C'est lui-même qui gagne responsabilité pour faire élection dans le pays. Alors voilà la situation. Peuple a un problème, caille pour l'été. Peuple a besoin de manger. Population a besoin de caille pour dormir. Population a besoin de route. Peuple a besoin de sécurité. Peuple a bien toute qualité de problème. Institution écrasée. Nous avons tout problème ça. Et puis seul ça qui intéresse les Jovenel, c'est marcher, prendre décret à droite, à gauche. Nous avons décrété, Définitivement. Ce type, il est malade. C'est comme un qui n'a rien à faire. C'est comme un qui n'a rien à faire. Et puis chaque jour, il lève la palais, il a signé un décret. Il a quitté l'Ikman faire signer mal propre. L'autre, il a fait signer un décret. Qu'on a fait décret. Pour que ce soit ici, ma divine, bon, vraiment, dans le secteur démocratique, là, nous sommes un groupe ouvert. Nous n'avons pas de problème avec les gens qui choisissent, fait ma sissi, fait ma divine. Ils ont le droit de choisir leur orientation sexuelle. Si Jovenel Moïse voulait continuer à faire ma sissi, c'est son affaire personnelle. Si Martine Moïse voulait faire ma divine, franchement, cela ne nous regarde pas. Mais, il n'a pas besoin de loi pour ça. Il n'a pas besoin de arrêter pour ça. Bref, c'est pourquoi je dis. Je dis avec sincérité. Et c'est pourquoi je dis avec gravité, avec franchise. Que je dis à, nous lançons un appel à la responsabilité et à la mobilisation de tous les secteurs de la vie nationale. Parce qu'il y a un capitaine qui déraille. Mon capitaine qui va en bâton, même qui va comme ça pour le faire. Ou c'est toujours bien fou, il est malade. Il ne sait pas ce qu'il doit faire. Bref, il faut une mobilisation dans tout le pays. Côté pasteur, ouais, côté fidèle, côté père catholique, côté monseigneur, côté jeune, côté femme, côté monde, ça, c'est nous tous ensemble qui devons mobiliser pour faire respecter la Constitution. Et pour nous définir ensemble qui ça doit faire en transition. Parce que définitivement, le cas de Jovenel, on aime tourner la gague longtemps. Papa m'a dit que le bac point deux fois, même si je mal gardé le coq à bataille. Monsieur Sablon, le coq qui va le courir. C'est-à-dire que son coq a fait des trois bêtes, etc. Mais à la vérité, son coq qui va le courir. Ça veut dire que pas que c'est longtemps. C'est mettre à mettre sous prisonnier politique qui est déjà. Ajouter sous ça persécution politique. Yo. Nous pas capable s'allier tout ensemble des monde qui gagne qui journée jodi a dommagé ensemble des monde qui gagne qui handicapé par rapport avec mobilisation par rapport avec bataille a fait pour démocratie. Nous pas capable s'allier parents tout monde qui gagne monde qui mouri dans bataille là monde ça est important pour nous et nous toujours dit yo secteur démocratique là. Dans la bataille là fait pour changement, pas oublier catégorie mounsa. Et nous disons besoin de justice quand même. Et c'est peut-être ça, nous avons demandé pour les militants à travers le pays à redoubler d'efforts. Je dis à nous parler d'un ensemble de points. C'est moi qui vais parler d'abord. Et c'est même Jovenel qui n'a pas fait élection pour le sénateur. Et c'est même Jovenel qui joue les jeudi à pas faire élection pour président. Parce que toute bagarre était de mettre en branle. Parce que dernier dimanche, mois d'octobre, supposé gagner élection pour président parce que dans la cinquième année, mandat Jovenel lié. Il pas fait. Démocratie pas faite avec une seule élection présidentielle. Moi, tout le monde a parlé d'élection présidentielle. Quelle élection présidentielle à Jovenel jeudi à pas rien barré ça. Ça veut dire, monsieur raté tout rendez-vous démocratique. Et je dis à nous-mêmes, les Haïtiens, nous avons une responsabilité pour déloger Jovenel. Et c'est dans ce sens que nous dit, question débat, nous t'en dit, ça c'est des cadeaux intellectuels qui ont parlé de débat. Mais les peuples n'ont pas sorti dans la rue, ils n'ont pas le 7 février 2021. Et si on arrive à peuple dans le 7 février 2021, nous avons une provocation, il a fait et ça a grave.
pour un pile monde qui c'est ennemi démocratie dans le pays. Et le peuple a répondu nous avec force. Nous connaissons quand on a parlé là, le peuple haïtien a vu un moment extrêmement difficile. À côté de liberté qu'il n'a pas gagné pour l'exprimer, parce que hier nous avons passé dans la rue, Port-au-Prince, devant le ministre de la Justice. Côté monde pas qu'à exprimer. Entre-temps, il y a bail l'autre pour faire quatre démalogues, pas bon et pas paquet. Il a ouvert factory, il a ouvert airport. Ça veut dire, hein, depuis c'est pour exprimer, pour dire non, avec Jean gouvernement, ça a fait massacre, a fait crime, a fait vol, ou pas de droit ça. Mais responsabilité à Jodia, ce n'est pas Jovenel parce que Jovenel c'est du passé. C'est le directeur général de la police là, qui a bail l'autre manifestement illégal. Et je dis à directeur, ça a un peu de bagaille pour répondre. Et André peut parler de ça. Par exemple, matériel, la police qui participait dans le massacre Pont Rouge. Il faut avoir une explication sur ça. André peut parler de lui. Ça veut dire, pendant que le peuple a rencontré tout problème, ça, yo, et c'est dans le moment ça, le peuple a vu un moment qui est plus difficile. Je dis à, vous avez besoin, combien de gouttes vous avez besoin pour nous, là, mes amis? 120 gouttes. Et je venais prendre goutte là. À 64 gouttes pour nous là. Par contre, si nous remarquons dans quel état pays aïe, je dis à la classe moyenne, les gens qui n'ont pas de moyens, les gens qui ont des revenus faibles, un pays qui vit de l'importation seulement, nous voyons tout le monde jouer aujourd'hui dans la misère totale. Mais ça, le régime PHTK, le pays a besoin d'environ 120 gouttes pour un grain de dollars. Et ça qui est triste là, c'est que le gouvernement ça a continué à concorder notre trésor public là. C'est ça qui crée le déficit budgétaire. Et suivant économiste, on a le plus gros déficit budgétaire depuis que le pays a existé. Ça veut dire qu'on a un déficit budgétaire qui a environ 6.2% PIB. En 2015, avant Jovenel te venir, de gros déficit budgétaire de l'ordre de 1.2%. 1.2% PIB. Je dis à l'ICE 6.2% PIB. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que a volé seulement. Et comme ça, il parle d'un investissement. Comme ça, c'est dans la poche. Et ça qui passe, c'est que même les gens prennent comme ça dans le trésor public. Par exemple, ils prennent 30 milliards de gouttes dans le trésor public. Puis maintenant, pas le convertir en dollars. C'est ça que le dollar achète tout comme ça. Mais ça a vraiment c'est comme série. Et c'est ça qu'il fait. L'autre bagaille qui est important, pendant que je venais te promettre courant 24 sur 24, mais en deux budget ça, il dit qu'il y a une subvention énergie qui est dans l'ordre 25 milliards de gouttes. Mais c'est blackout comme ça. Côté 25 milliards de gouttes, ça a passé. Dans blackout, il dit qu'il a investi 25 milliards de gouttes. Et exercice a manqué environ 3 mois pour le finir. Côté comme ça passé. Je dis à la même perspective, n'a pas le là. Bon taux de chômage, c'est augmenter la augmenté chaque jour. Jeune qui a un petit job, il a perdu. Ça qui a un petit business, il a écrasé. Ça qui a un informel, il n'a pas qu'à bien encore. Agriculture, pas qu'à bien. Même si c'est la période comme agronome, c'est avec maintenant tête la garde un budget côté retirer 2 milliards de gouttes sous enveloppe budgétaire agriculture. Mais ce n'est pas possible à travers le monde Jodia, il y a parlé de relance production agricole, production nationale. Ah, mais en deux pays, ça même, je venais le fonger pour tout le monde mourir. Vous ne pouvez pas acheter, ah, mais agriculture pour le cas relancer, ah, mais retirer 2 milliards de gouttes dans l'agriculture pour le mettre sous intervention publique pour le cas prendre corps pour lui-même pour le faire salver. Tout ça, c'est le bagage qui chargé. Et dans la même optique là, pour montrer nos gouvernements ça, son gouvernement qui a volé seulement. Pendant que je parle là, tu as seulement la Cour des comptes qui pour contrôler le gouvernement, a mené qu'il a décidé de réduire l'enveloppe Cour des comptes là, puisque moitié. Ça veut dire que Cour des comptes n'a pas un corps même. Pour être capable de faire contrôle sur le gouvernement. Ça montre quel type de gouvernement qui nous gagne. Et l'inflation n'a pas continué à monter. L'inflation, souvent, chiffre qui est dans l'IHSI, c'est 22%.
moun ki pa konn sa rele mou sa gotem sa yo, ça veut dire ti mamin di ya vin piche kounya. Ti mamin mai moun ya vin piche. Panye bien, ça veut qu'on a acheté pour manger la kaywa, jodi a vin piche. Ça veut dire moun yo jounen jodi a presque pa ka manger. Panye pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat ou diminuer. Peuple a commencé intelligent. Ça veut dire que pas de pouvoir d'achat. Ça veut dire, je dis à peuple ça, s'il pas dégagé pour prendre ses mains, on me l'a mouru tout fait. Jean Wayne était tué, Joy Ford. Ça veut dire pied, genou nek ça, il mettait au sous coup peuple là. Et qui permet qu'il n'ait pas un système raciste. Mais ça qui peut dire, et c'est ça que nous sommes d'accord. Et là, on a parlé avec Diaspora. Et on a parlé avec tout le monde qui vient dans le pays étranger. En fait, pour le gouvernement, ça a pensé, il prend un corps américain Diaspora voué pour le monde. Pour le good, nous ne sommes pas d'accord ça. Et c'est peut-être ça qu'on a dit, dans la prochaine mobilisation par là, tout le monde doit prendre la rue parce qu'il entendait, il doit appliquer en nous. Il va l'appliquer aujourd'hui, mais il va l'appliquer à nous. Bon, nous-mêmes nous opposons catégoriquement avec plan COB. Nous avons pour nous, en dollars pour bailler l'angoût. Ça n'est pas d'accord. Et nous décidons de gommer bon côté peuple là pour ça va passer. Moi-même, nous sommes un tableau de situation pays à Banou. Nous sommes parlé des gens, situation pays à yé. Comment l'économie pays à yé. Dans qui souffrance peuple haïtien, dans qui misère peuple haïtien. Et misère ça, si nous pas rapide pour stopper avec le départ des jeunes PHTK, on a constaté la vie finie pour nous tous. Et c'est dans ce sens ça, moi-même, m'a demandé, m'a fait appel à tout secteur dans la vie nationale là, pour nous mettre au travail, parce que il y a des gens qui disent attendre 7 février 2021, 7 février 2021 trop loin. Et je dis à nous dit, puisque toute activité reprend dans le pays là, ça veut dire mobilisation pour reprendre tout. Et la police prend responsabilité ou prend ministre politique ou une responsabilité pour bailler peuple haïtien sécurité pour accompagner peuple haïtien. Mon panier pour faire répression contre peuple haïtien, contre peuple haïtien. Même Jean Lamy t'a fait répression, l'a écrasé. Mais Jovenel besoin écraser la police ça, nous pas quitter écraser la police ça et c'est peut-être ça n'a parlé à la police c'est conséquent yo, pour prendre responsabilité yo, pour pas respecter l'ordre qui est manifestement illégal. 3 août sans consultation avec acteurs qui gagnent dans ce système éducatif là, sans une école de parents qui décapitalisent, qui besoin d'aide d'État pour faire face à des problèmes qui sont là, qui vont vous l'école. Donc, nous, comme vous le ça, pour nous faut-il la bouche sur le compte global pays. Et pour nous, disons-nous, je suis en l'école là, mais qui cause la fête et qui condition minimale qui nous réunit pour mettre que nous t'agardons au petit place normal. Comme nous connaissons, je vous dis, le pays d'Haïti a traversé une situation terrible. Je ne connais l'histoire, nous vivons contre nous là. C'est pour la première fois dans l'histoire, nous avons un régime aussi criminel, aussi insensible à la population, qui quittait, dit, fait la population a périmé, parce qu'on a dit, bien mis en grand goût, et que lui-même, la volant, l'a touillé et l'a crié. Donc par rapport à ça, là, comme situation, par rapport à l'attitude criminelle, par rapport à la corruption, capitale et bandit, dans le régime via TK, nous-mêmes, professeurs, étudiants, élèves, toute la population, nous pouvons arrêter de la croiser, c'est pour ça que nous disons tout le monde en général, pour sauver le pays, sauver l'éducation, pour sauver le présent du pays, nous devons mobiliser tout le pays. Et c'est pour ça que nous devons annoncer qui ça, nous-mêmes, dans cette éducation, nous parlons d'ailleurs comme activité de mobilisation, pour porter contribution nous, dans le mouvement de mobilisation qui a fait cela, justement, pour libérer le pays, l'équipe PHTK, et pour tablir au pays, pour tout le monde, vivre tout le monde, et sans qu'à sauter, sans d'adi, des dirigeants criminels, racketeurs, volants, qui a cassé le pays là. Donc, nous tendons l'école, dans la presse, et l'école, tagué pour nous ouvrir le 3 août.
nous-mêmes, comme enseignants, directeurs, etc., nous n'avons pas de problème à la question de l'école de l'ouvrir. On veut se dire que l'école de l'ouvrir, mais l'école de tout pays, pour l'ouvrir l'école après crise, mais dans quelle crise qu'on a vu, une série de mesures qui prennent, une série de constatations qui font, justement pour mettre que ça n'est pas possible. Ici, nous avons un ministre qui a dit, bon, en fait, gros souvenir politique, qui n'a pas chité à négocier, qui n'a pas chité à tout concerter, et qui a voulu monter dans la presse, il menti. L'école va l'ouvrir 3 août, c'est des conditions. Nous pensons que l'école doit l'ouvrir, mais il y a une série de conditions qui doivent réunir. Et parmi ça, nous avons des conditions, il faut que l'État réponde. Pour payer, reste à de l'école là pour tout parent. La majorité des parents ne peuvent pas payer l'école. Ils ont même décapitalisé, et puis ils ont dit qu'ils ne peuvent pas payer, reste à de l'école là. Dans tout le code qu'on a vu ici, comme on a vu là, nous pensons que faut gagner une partie qui est réservée pour subventionner les parents qui ne peuvent pas faire face à la question de paiement écolage. Dans la crise qu'il a, crise économique, crise grand goût, crise de toutes sortes, par ailleurs, pour payer l'école. Donc, reste à l'éa, premier bagage que Jovenel, AGM, Joup, doit prendre l'argent formel, faut que vous prenez l'argent qu'il a payé directement l'école, tout par ailleurs, ce que par ailleurs, pas de chaises à tout de haut, pendant l'année ça. Deux, des professeurs doivent avoir un salaire, plusieurs par le salaire dans l'école publique. Pour assurer que l'école, les gens, nous prenons avec AGM, chaque mois, tout a le salaire à payer. Et il y a 2 ans, il y a 3 ans, chaque février, et il y a payé à les salaires, et c'est à les autres, ça pour en fait nous demander que, avant 3 août, il faut que tout le monde soit touché à les salaires. Troisième bagaille, il y a combien de subventions? Nous connaissons l'école privée, pour un professeur, depuis combien de mois, par recevoir 5 comme. Donc, l'État dit la subventionner l'école privée, la subventionner le professeur, nous sommes bien contents parce que le professeur, ça a été quand même souffle. Et je dis, l'école va l'ouvrir, nous tendons que quelques écoles nous baillent 100 000 gouttes. Donc, l'école qui est dans poche, l'école qui est dans valise, c'est pas 100 000 gouttes, 100 000 gouttes pour les bretafias, etc. C'est pas subvention. Vous pensez que c'est la subvention, il y a une subvention qui fait que l'État et la direction de l'école là, qui a fait un paiement et un professeur, c'est-à-dire un minimum. Lorsqu'on dit direction de l'école, 5000 gouttes, on a dit son malade dans le terrain souvient. Donc, parce que aucun directeur sérieux qui a fait pour le professeur, il va permettre à 5000 gouttes de marge d'or, parce que c'est pour l'être tout de tête. De toi, faut dégager, on dit nous. Qui ça a fait puisque nous sommes tous dans la crise et qu'on a vu ça. Question 1 mètre distance là. Nous avons une classe dans les séries 150 élèves. C'est mieux dit nous comment nous prenons la mesure pour que la distance là soit respectée dans les 150 élèves dans le lycée. Là, tu as dit tout, comment il a fait cette petite distance là dans la récréation, dans le côté de l'école qui a 2-3 000 élèves et qui a quelques mètres calés comme coup de récréation. Je pense que nous avons besoin de l'école ouvrir, parce que il y a des bagailles qui nous disent, qui nous font avant de l'ouvrir. Au Canada, nous n'avons pas ouvert l'école, mais le ministre de l'Éducation, par notre enseignant, il dit qu'il va commencer à faire des sacrifices. Et il demande pour faire un sacrifice. Il y a une valeur dans le café là. Et il a encouragé. Et si vous prenez une date qui te dit la l'école, c'est professeur, des professeurs, nous sommes sur une date qui n'a pas un lien comme une date triture, qui n'est pas la commune, qui n'est pas comme une copie, qui va tout à fait le professeur, et qui n'a pas un lien comme approche. On a dit relations humaines, la Caraïbe. Nous pensons que ça, nous prenons pour ça. Si vous savez, tout enseignant, dans quelques pays, nous, dans ces organisations, et tout enseignant, dans le qui est là, on a bien en marche dans le Port-au-Prince, on a tout enseignant dans quelques pays pour mobiliser pour que c'est aussi ce qu'il a fait. Ça fait que tout pays est enseignant le Mugabe. Et dit enseignant en tout, pour être enseignant, on est encore là pour résoudre. Avec d'Asie et des dirigeants, et c'est pour ça là, nous avec qui descendent, budget d'éducation, de 17%, nous voulons à 9,4%.
qui réduit, c'est-à-dire à moins de 5% budget, la question de la tête qu'il a pour contrôler Bagoul qui a fait dans l'État, qui réduit budget et agriculture, etc. Donc c'est des irresponsables criminels que nous devons batailler pour libérer le pays de cela, on se met ça. Enseignants, élèves, étudiants, parents, nous inviterons pour participer activement à tout pouvoir de mobilisation qui a fait là et particulièrement de mobilisation que l'ancien va lancer. Kabal Patrice, Kabal Bonou, qui ça nous. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée. Oups!